Pierre Descamps, bonjour. Vous êtes le président de cette fête de la moisson qui vient de se terminer aujourd'hui. Votre bilan ? Bon, un bilan plutôt positif. Énormément de monde durant ces deux jours. Le temps, on a eu du bon temps, contrairement à la deuxième édition. Le soleil était présent. Une très belle troisième édition. D'accord, merci. Quels étaient vos objectifs pour cette fête ? Alors, les objectifs sont les mêmes que les années précédentes, c'est-à-dire de faire redécouvrir la moisson à l'ancienne au public, faire découvrir des tracteurs anciens comme celui-ci, également aux enfants des différents ateliers autour du jardinage, autour de la fabrication de pain, des produits de saison. Et surtout, pour cette troisième édition, on avait mis en avant les chevaux de trait, donc les traits du Nord, où il y a eu des démonstrations, des balades en cheval, en poney. Et l'objectif, c'était vraiment de faire participer un maximum de personnes du village, des alentours, et également les faire participer les enfants. D'accord. Objectif réussi ? Objectif réussi. Vraiment un plaisir pour cette troisième édition. Comme je vous ai dit, énormément de monde, les gens étaient heureux. Ils ont apprécié cette troisième édition. Et donc, quatrième édition ou pas ? On va faire en sorte qu'il y aura une quatrième édition. Bonjour Pierre Carbonnier, est-ce que vous pouvez nous présenter ce qui se passe ici ? Alors bonjour, en ce qui me concerne, je suis Pierre Carbonnier des écuries des Grands Mazis. Alors mon métier, c'est prestataire de service avec des chevaux de race trait du Nord. Aujourd'hui, on est là surtout pour la promotion du cheval de trait. Le cheval de trait qui est amené à disparaître dans les prochaines années si on ne leur trouve pas une vocation et une utilité dans le domaine de la collectivité, domaine forestier, domaine urbain, ultra-urbain et transport de personnes. Je pense que c'est des pistes à exploiter encore aujourd'hui. Alors, ce qui a fait disparaître le cheval de trait aujourd'hui, au grand mépris d'énormément de gens, c'est la consommation de viande équine qui a disparu quasiment. Le cheval de trait, c'est vrai que tout coûte de plus en plus cher, c'est quand même des gros coffres à nourrir. Puis bon, il y a un engouement aussi chez les jeunes des chevaux plus sportifs. Bien que le cheval de trait reste un cheval assez souple et disponible à la compétition. Alors bonjour. Donc je suis en présence des membres de l'association APEI. Donc est-ce que vous pouvez nous parler du concept ? Donc on a récupéré les vignes en 2008-2009. Et donc là, on fait du vin depuis tout ce temps-là. D'accord. Et parce que souvent on dit le vin c'est du côté de Bordeaux ou de Reims. Alors est-ce qu'on a affaire à du vin de la région ? Oui, de Valenciennes, c'est vraiment nous qu'on fait. De A à Z, on taille, le raisin, on fait la presse, on fait tout de A à Z. D'accord. Et est-ce qu'on a tous les types de vins, rouge, blanc, rosé, ou on a que du rouge ou que du blanc ? On a le pinot noir et le chardonnay, donc le rouge et le blanc. Et là, bientôt, on va mettre en bouteille le rosé en septembre.